Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre le code créateur NCU dans la boutique Fortnite, ça me soutiendrait énormément. Merci énormément à tous ceux qui le font pour acheter le pass de combat. Et yo les gars, c'est NCU, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Fortnite. On va découvrir le nouveau pass de combat. Alors faut savoir que déjà j'ai même pas fini la saison d'avant. Je crois que c'est l'un des seuls passes de combat que j'avais pas fini. Parce que bon, je vais pas vous mentir, le jeu il existe depuis au moins 4-5 ans et on se lasse petit à petit du jeu. Et c'est mon cas, je pensais jamais me lasser du jeu, mais bon. Au final, je m'en suis lassé. Bon, le club de Fortnite, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Du coup, on a des récompenses. Ok, attendez. Je peux pas les voir? Ok, c'est bon. Donc, on a les petites récompenses. Ça, c'est quoi? Les récompenses de Meowth Clay. Dans 30 jours. Ok. Ouais. Bah, le skin est vraiment nul à chier. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on a de beau? Au moins, je vous présente un petit peu le pass. Comme à notre habitude. Ouais, non, le skin est nul. Est nul. Récompense de quête. Alors. Une petite pioche. Cette pioche elle est cool par contre. Franchement j'aime bien. Mais bon je l'aurai pas. Les petites ailes qui sont très stylées. J'aime bien aussi. Le skin j'aime pas du tout. On dirait Trippie Red. Le petit planeur j'aime pas. Bon après je vais pas vous dire non plus tout ce que j'aime pas. Puisque bon ça ferait beaucoup. J'aime bien le style mais sans plus quoi. Genre vraiment. Ok je préférais la lance en pique. Ok. Ouais sympathique. Pas ouf. Ok, donc en plus, Meowth Clay il arrive dans 30 jours. Il arrive dans 30 jours, mais tu peux déjà avoir un skin Meowth Clay. C'est un peu débile. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Récompense bonus. Ok. Ils ont remixé le skin mexicain. Pourquoi pas, ok. Donc c'est celui-là. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Il est ok, mais bon. Même ce planeur, on comprend même pas ce que c'est. C'est n'importe quoi. Ok, le sac à dos est cool. Ça c'est une toupie Beyblade. Petite. Ça c'est une épée Valorant frérot. Ah ce skin franchement il est cool. Alors là je dois dire la vérité. Lorenzo il est très stylé. Ah j'aime bien, j'aime bien. Oh! Il y en a qui savent mais j'adore le vert. Et ça c'est vraiment incroyable par contre. Malheureusement je pense que j'arriverai pas jusque là dans le pass. Parce que j'y jouerai pas. Mais le sac est vraiment stylé. Et pour mes combos avec des skins verts ça aurait été vraiment cool mais bon. Tant pis. Optimus, ok. Il s'appelle Testé au combat? Mais comment ça, Testé au combat? Frérot, appelle-toi Optimus Prime, je sais pas. Et après, des trucs. Ça, c'est les trucs dorés, bizarres, moches. Ok, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a du coup ce petit truc moche, gratuit. Le petit revêtement. Le planeur du temps. Une petite musique. Encore des petits e-bucks. Le petit sac. Ok. Je sais pas. Le skin est un peu gros. Il est un peu gros. Il aurait été un petit peu plus jouable, ça aurait été mieux. Cette pioche, du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok, la danse est sympa. Il y a des effets avec de l'eau. Le planeur est horrible. Ça, on en a 10 000. Le skin, j'aime pas du tout. Ah, j'aime bien les effets sur les mains, par contre. Mais sinon, j'aime pas. Ça, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ça en fait c'est un sac à dos assez léger donc ça peut faire le taf mais bon il est mieux comme ça. Ah, là j'aime mieux. J'aime mieux, j'aime mieux. Du coup là on a le petit machin, les petits ébecs. La pioche pas folle, pas folle, pas folle. La guitare elle est bien mais je préfère la verte. Du coup le petit skin de la meuf. La pioche en vert que j'aime beaucoup en vrai. Tout ce qui est vert de toute façon j'aime bien. Sauf le planeur Beyblade, pas de Beyblade merci. Ça c'est quoi? Ouais, c'est quoi cette danse de fou? Je crois que c'est une ref. Je crois que c'est une ref, mais j'ai pas la ref. Enfin, je l'ai à moitié. Ok, des petits trucs moches. Attendez, je vous ai pas montré ça, même si en vrai on s'en fout. Voilà. Ok. Toujours les revêtements moches. Le skin qui était ok. Ouais. C'est NOS dans PNL. La pioche est pas trop mal. Mais bon, elle est un peu grande quand même. Petit planeur. Ouais. Je sais pas c'est qui ce skin. C'est peut-être le même mec que tout à l'heure, mais avec le masque. Du coup, là, on a la mexicaine. J'aime bien les ailes. Non, franchement, les cosmétiques sont bien. Les cosmétiques sont bien pour les tryharders. Même le skin. Ouais, quoique, non. Parce que quand tu le joues de dos, il est nul. En fait, ça va, mais bon. Même ça, c'est horrible, par contre.
Ok, une petite danse. Ok. Mais du coup, ça c'est une danse pour les arbitres. Ah, j'aime bien les couleurs, j'aime bien. Là, on a qui? On a Indiana Jones de Wish. Ils ont pas eu le contrat, ils ont mis celui de Wish. Avec toujours la petite pioche. Je sais même pas c'est qui. Ah, c'est encore Lorenzo? Ah, mais c'est le même mec que tout à l'heure, mais quand il est en mode normal. Bah, pour le coup, le mode normal est vraiment pas ouf. Qu'est-ce qu'on a de beau encore? Des petits planeurs. C'est quoi ce truc pourri? Ok, quand t'es perdu sur une île déserte. Ouais, le skin n'est pas. Eh, ok, il est ok. Ça va en vrai. Bon, ça c'est horrible. Horrible, horrible. La pioche, horrible. Elle aurait été peut-être bien à une main. Ah, mais c'est la même. Elle, je l'aime pas. Non, je l'aime pas du tout. Et c'est pris pour Doctor Strange, frérot. J'espère que c'est pas elle le signe palissant, parce que frérot, il est horrible. Ah, par contre, je vous ai dit que j'aimais bien ce qui était vert, mais la pioche, j'aime pas du tout. Le petit planeur, horrible. Le psy... Ah, là, franchement, ok. Là, ok. Un bleu bien bien clair comme ça. Enfin, c'est même pas clair, c'est un bleu, quoi. Un bleu gris bizarre, avec petit chapeau. Et attention, le signe du palier 100. Ah, c'est Optimus. Après, bon, moi, je veux pas faire le mec, mais j'aime pas Optimus. J'aime pas Transformers. J'aime pas du tout Transformers. Ouais, petite hache. Des petits e-bucks. Et attention, le skin du palier 100. Ok, puis sa mère. Non, je suis désolé, mais c'est vraiment pas ouf. Attends, on n'a pas regardé s'il y a dans le pack du club. Donc, attends, c'est un homme ou une femme ça? Oh, attends, wesh, c'est quoi ça? Wesh! Ok, je retire ce que j'ai dit, le skin incroyable. Putain, faut savoir que pendant 1 ou 2 ans, j'avais le club de Fortnite tous les mois. Et j'ai arrêté il y a quelques mois. On a aussi le Rocket Pass, ok, c'est sur un autre jeu carrément. Bah ok, on a tout vu. Du coup le pass c'est au même prix, j'imagine. On peut plus acheter comme avant? Avant t'avais une offre avec plus de V-Bucks et tout. Ah non, y a pas. Les petites quêtes, je vous les montre vite fait, même si en vrai, franchement, on s'en fout. C'est quoi ça? Ok, des récompenses de GG. Ça c'est quoi? Ça c'est un pack gratuit. J'espère que vous l'avez tous récupéré. Bon après je l'ai pris mais bon je joue même pas. Et la boutique, bah du coup, bah, on a déjà vu ça. Ça j'avais fini le sac parce que bah je vous l'ai dit j'avais tous les clubs. Du coup j'ai plus aucun pack. J'ai vraiment plus rien. C'est la S. Mais du coup voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a aussi ce skin qui est sorti. N'hésitez pas à liker, vous abonner, pensez au code créateur NC à la boutique Fortnite. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du pass de combat. Allez, ciao!